Je m'appelle Anas Drkhawi, je suis enseignant de français au lycée Al-Khawarizmi. Alors aujourd'hui c'était une rencontre littéraire donc, qui a permis aux étudiants de ce lycée de découvrir tout simplement la littérature subsaharienne, la négritude, et qui a permis aux étudiants tout simplement de connaître pas mal de choses, la poésie en arabe grâce à Monsieur Khsar et Monsieur Sidi Ibrahim et Brahima qui ont éclairé notre lanterne par rapport à la négritude et qui ont permis aux étudiants tout simplement de découvrir le monde littéraire subsaharien. Et bonjour, je m'appelle Sidi Ibrahim Abdourahman. Je suis étudiant en Master 1, droit des affaires, Université de Police, et président de la CESAM Agadir, la Confédération des élèves, étudiants et stagiaires africains étrangers au Maroc, section d'Agadir. Alors nous sommes ici aujourd'hui au lycée Khawarizmi de Tamira, dans le cadre de l'événement qui est organisé par le projet Vivre ensemble sans discrimination. Et nous avons eu l'occasion d'échanger un peu sur la littérature subsaharienne. Et ce fut un échange très très fructueux avec les élèves du lycée, en compagnie de leurs professeurs. Et je suis très très heureux pour cette discussion parce que l'échange, ça favorise les vivre ensemble. Voilà, donc je vous remercie et au revoir. أستاذ محمد قديرة وأستاذ اللغة العربية بثانوية الخوارزمية التأهيلية، سعداء اليوم باستضافة الشاعر المغربي عبد الرحيم الخصار وكتاب من إفريقيا جنوب الصحراء في إطار الأيام الثقافية التي تنظمها جمعية مواهب المستقبل، واختارت لها تيمة العبر الثقافي أو التداخل الثقافي والمثقفة. كان لقاء حميميا مفتوحا بين مع التلاميذ يهدف الى تحقيق مقصد اساسي وهو انفتاح المدرسه على محيطها المعرفي والثقافي، ثم تجسيد وتكريس حضور الادب المغربي في داخل المؤسسه التعليميه بما يضمن هذا الانفتاح وما يضمن الرقي بالمستوى العام التلاميذ والمدرسة المغربية في هذا الصدد. شكرا. Alors bonjour, moi je m'appelle Baldé Ibrahim Assouri. J'étais parmi les membres qui sont venus présenter la littérature africaine dans cette école. Une rencontre durant laquelle nous avons eu l'occasion de non seulement parler de la littérature africaine, d'inciter les élèves à aller lire ce qui nous est cher, bien sûr notre littérature, mais aussi ils nous ont aussi appris, parce que grâce à eux nous avons découvert certains livres de la littérature marocaine. Donc c'est un grand plaisir pour nous d'avoir partagé ce moment avec de très grandes personnalités, monsieur le poète, le directeur, etc. Merci beaucoup. أولا السلام عليكم ورحمة الله. أنا تلميذة شيماء هاشي، أدرس بثانوية الخوارزمي أولى باك علوم تجريبية. أنا جد فخورة اليوم بهذا اللقاء الجميل مع
شعراء كبار وكتاب إفريقيا. أنا جد فخورة جدا وعجز لساني عن الكلام لأنه لقاء جد حفيز. Bonjour, je m'appelle Walis Salhi, je suis une étudiante de lycée Khawarizmi. Je suis très heureux de cette occasion qui accepte des meilleurs écrivains qui parlent des poètes et merci. اسمي محمد بركات أدرس في ثانوية الخوارزمي التاهيلية. حضرت إلى هذا اللقاء التواصلي للشعر وحضرنا للشعر أو للغومون ديال سوب صحاريان حيتاش اللي هما ما كيكون قلال في المغرب وفي قليل في العالم وبغينا نيت باش يكون حاضر في عندنا كاملين ونقراوهم لي غومون دو سوب صحاريان. Hello, my name is Zakaria Sayahdin from Casablanca, living here in Ait Amira. I'm a student in Khawarizmi Institution. And I'm very proud to be here with the Moroccan poet Ahmed El Khassab. And I want to thank her and thanks. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد قناة ريمال تيفي.